Alors, donc, du coup, on est sur cette année, donc le 15 juin, la cinquième édition donc, des foulées de Boucon, courir contre l'AVC, qui, à partir de 14h30, vous pourrez découvrir le village santé, avec plusieurs partenaires, du coup, de la santé, qui pourront vous informer sur la prévention pour éviter un AVC, donc les facteurs de risque de l'AVC, et plusieurs courses, du coup, solidaires, avec plusieurs départs pour les tout-petits et puis pour les élites, de 16h. Il y a un départ à 16h, un départ à 16h15, un autre... à 16h30 je crois et un autre à 17h15. Alors sur place vous aurez donc des ateliers un petit peu de prévention, détection un petit peu de l'hypertension artérielle, de diabète, etc. Des ateliers également au niveau de l'activité physique adaptée puisqu'à La Réunion on reste quand même assez sédentaire, donc on manque un petit peu d'activité physique. Il y aura de la zumba, il y aura de la percu, des choses un peu plus ludiques aussi, donc voilà. En quoi c'est important aujourd'hui pour l'association d'organiser ce type d'événement ? Alors ce type d'événement a deux objectifs. Donc le premier qui est vraiment continuer à informer la population et le grand public du coup des facteurs de risque de l'AVC et des signes de détection de l'AVC. Et également récupérer des fonds puisque tous les droits d'inscription seront reversés à l'association et nous permettent du coup de mener nos actions vis-à-vis des patients et des familles.